Alors voilà, nous sommes arrivés au gouffre de Lafage en Corrèze à Noailles, au lieu-dit Lafage. Donc vous allez faire la visite avec nous. Descendons l'escalier. Il y a une grosse végétation. Luxuriante. Luxuriante, même, je dirais. Voici le puits du gouffre. Une faille dans la grotte, les diaclases. Au-dessus de vous se trouvent les diaclases. Il s'agit de fissures plus ou moins profondes dans les roches calcaires qui favorisent l'infiltration des eaux dans le sous-sol. Elles sont à la base du processus de formation des grottes. Si vous regardez autour de vous, vous apercevrez que les concrétions n'ont pas toutes la même teinte. Cette différence de coloration est liée à la présence ou non de certains minéraux dans le calcaire, dont l'oxyde de fer, le manganèse, qui différencie bien sûr les différentes couleurs. Il peut y avoir aussi de l'oxyde de cuivre ou de nickel qui dévoile la présence donc, de vert bleuté. Alors un des jeux du gouffre, c'est de trouver des apparences de personnages donc dans les concrétions naturelles, que ce soit les drapés ou les stalactites.
Regarde. Oh, elle est toute petite. Hein. Nous continuons notre visite et arrivons au terme de la galerie 1, je crois. C'est la partie recherche archéologique. T'as vu avec les les strates selon les périodes. Ah oui, ça monte. D'accord. Ok. Et là, je crois que nous allons sortir. Voilà. Et donc là, effectivement, nous arrivons. Donc, on referme la porte. Revenons à la surface.